celui qui est à côté de toi, Jésus est bon. Dis-lui encore, Jésus est bon. Jésus est bon. Regarde-lui bien, dis, je vois la bénédiction que Dieu a déposée sur toi. Celui qui dit a déposé sur toi. Laisse-moi te dire, cette année sera meilleure pour toi. Cette année sera meilleure pour toi. Laisse-moi te dire, cette année sera meilleure pour toi. Cette année sera meilleure pour moi. Pasteur, cette année sera meilleure pour toi. Cette année sera meilleure pour toi. Et maman, cette année sera meilleure pour vous. Cette année sera meilleure pour vous. De papa, cette année sera meilleure pour vous. On les reçoit. De papa, cette année sera meilleure pour vous. Amen. L'église de Dieu, cette année sera meilleure pour vous. Amen. Acclamez très fort pour la gloire. Oui. Amen. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Ce soir, nous sommes là. Dis, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Cette nuit ne passera pas comme ça. Cette nuit ne passera pas. Dis encore, cette nuit ne passera pas comme ça. Cette nuit ne passera pas comme ça. C'est la nuit de la faveur. C'est la nuit de la faveur. J'aurai ma faveur. J'aurai ma faveur. Auprès de Jésus-Christ, j'aurai ma faveur. Auprès de Jésus-Christ, j'aurai ma faveur. Auprès de mon Sauveur, j'aurai ma faveur. Auprès de mon Sauveur, j'aurai. Parle avec conviction, cette nuit ne passera pas comme ça. Cette nuit ne passera pas comme ça. Quelque chose doit changer dans ma vie. Quelque chose doit changer dans ma vie. Quelque chose doit changer dans ma famille. Quelque chose doit changer dans ma famille. Il y aura quelque chose de nouvel dans ma vie. Il y aura quelque chose de nouvel dans ma vie. C'est là, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na lingi bando ki bayoka komo na au nom de Jésus. 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 Et comme il met, il y a kota pour faire ba zui moto wana te. Au nom de Jésus. Jésus. Comme, laisse-moi te dire. Ma Bible me dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Amen. Ce nom-là est au-dessus des rois. Amen. Il est au-dessus de Macron. Amen. Quand on cite le nom de Jésus, il faut se lever. Amen. Il faut que les sorciers sentent que tu es Jésus est puissant. Amen. Il faut que les sorciers sachent qu'il est resté des morts. Amen. Au nom de Jésus. Jésus. Amen. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Cette nuit, ça va être compliqué. Pourquoi j'ai dit ça va être compliqué? On voulait manger. Mais Dieu a dit, vous avez mangé plusieurs fois. On voulait boire. Dieu a dit, vous avez l'habitude de boire chaque fête. Mais cette nuit, trop c'est trop. Cela veut dire qu'une chose, comme on ne t'a pas vaincu l'année dernière, cette année aussi tu ne seras pas vaincu. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir de comprendre, cette année que nous sommes, l'année 2020 est l'année de grâce. Amen. Ngolou est localisé. Yo. Amen. Que la grâce puisse se localiser. Amen. Que la grâce puisse localiser ta famille. Amen. Que là où ton argent est bloqué soit débloqué à cause de la grâce. Amen. Que la grâce ne prouve que tu es un vrai enfant de Dieu. Amen. Que la grâce ne démontre que Jésus t'a racheté. Amen. Que la grâce ne prouve que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur soit personnel. Amen. Je le sais que tu ne comprends pas. La nuit de la traversée, j'aimerais te dire une chose. La nuit de faveur, j'aimerais te dire une chose. Tu as la faveur de Dieu. Amen. D'être ici dans ces lieux. Amen. Parce qu'il y a des choses, soit de ne pas venir auprès de Dieu, soit aller ailleurs. Mais Jésus a vaincu parce que tu es là. Oh, ton amen ne me convainc pas. Jésus a vaincu parce que tu es là. Amen. Jésus a vaincu parce que tu es là. Amen. Au lieu d'aller danser dans les boîtes, Jésus a vaincu parce que tu es là. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque la faveur arrive dans la vie d'une personne, même si les choses étaient bloquées, il y a des choses vont se débloquer. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes une chose avant que nous entrions la parole. J'aimerais que tu comprennes une chose. Qu'est-ce que la faveur? La faveur veut dire là où je ne peux plus. La grâce de Dieu vient m'accompagner pour que j'arrive et je dépasse mes limites. Alléluia. La faveur veut dire, s'il fallait réussir, il faut avoir un frère premier ministre. Maintenant, Jésus vient défendre ma cause. Même si je n'ai pas un premier ministre, mais me donne ma bénédiction. Amen. La faveur veut dire qu'avec Dieu, tu feras des exploits et tes ennemis seront écrasés. Amen. La faveur veut dire tout simplement, là où tu ne peux pas, Jésus vient t'accompagner. Amen. Laisse-moi te dire une chose. L'église de Dieu, l'année 2020, tu seras accompagné avec Jésus lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Imaginez, pasteur, si je suis accompagné avec Emmanuel Macron, combien de gens vont être avec moi? Macron, je marche et je vis avec lui. Je cause avec lui tout le temps. Mais laisse-moi te dire une chose. Mon Dieu me dit, ton corps est le temple de son esprit. Il habite en ton corps. Il vit en toi. Si tu es rassuré, cette année, cette faveur-là va marcher avec toi. Amen.
Cela veut dire celui qui va chercher à te combattre verra Jésus lui-même se défendre devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que le oracle de Dieu sera avec toi. Amen. Laisse-moi te dire, lorsque la faveur t'accompagne, même si tu es le dernier, Jésus va te mettre le premier. Amen. Alléluia. Amen. À cause de Jésus-Christ, plusieurs qui étaient les derniers vont devenir les premiers. Amen. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Amen. Et lorsque nous parlons de la faveur c'est un peu compliqué. La faveur, cela signifie que la grâce. Et lorsque nous parlons de la grâce, quelqu'un qui est condamné à mort, il faut la grâce présidentielle pour qu'il soit libéré. Cette année, celui qui va te condamner à mort, Jésus viendra dire, celui-ci est mon fils, celui-ci est ma fille, celui-ci mes sœurs. Il viendra te défendre. Amen. Je crois, il va te défendre. Amen. Je crois que tu seras défendu par Jésus-Christ. Alléluia. Et laisse-moi te dire, Jésus est bon. Quand je dis il est bon, avant vous et moi, il y a des gens qui ont reçu grâce auprès de lui. La grâce veut dire, cette année, même s'il y aura des fléaux, vous ne serez pas atteints.